Alors maintenant, on va voir le tour 2 du tournoi Bout de Bol. C'est parti. Regarde bien. 1, 2, 3. T'as pas réussi quand t'étais tout seul. Oui, mais en zone de tacle, je réussis toujours. Vas-y, esquive. Esquive-toi maintenant. Alors t'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un voleur. 6, 7. C'est tellement un voleur. Immortalise pas ça, c'est honteux. Nous voilà la dernière partie de Bout de Bol. Nous allons voir ça tout de suite. C'est parti!
Je crois que le jeu c'est les zombies. Je sais pas si c'est le général. Attends, juste, je tape là. Ici. Je tape là, ici. Des fois je fais des blocs. Oh. Regarde, regarde le boulot qu'on a. Oui, il faut que je mette carreau. Ouais, on en a quand même. Vas-y, pardon. Il l'a pris. J'ai une relance. Parce que c'est un zombie, c'est différent, on aurait dû taper avec local. Mais j'ai préféré blitzer ton loup. Et voilà, on a le flash. Il reste. On va lui. Bloc, bloc. Ah, il y a deux, je m'en sors. Ça fait plusieurs fois, hein. Ouais. Bon, là par contre, je suis vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va. Oui, mais il a rebondi comme ça. Oui, mais en fait, ils sont sur la dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Nous voilà avec deux joueurs de Blood Bowl qui ont vécu leur dernière partie et ils vont nous raconter leur partie et peut-être un peu vaguement ce qu'ils ont pensé de leur tournoi. Alors, ton prénom ? Alice. Et tu jouais quelle armée ? Snotling. Et toi ? Moi c'est Guillaume et je jouais Corde. Ok. Donc ils vont nous dire de quoi était composée leur armée. Donc les Snotling, c'est composé de Snotling. Alors un Snotling, faut imaginer un gobelin en plus petit et plus idiot et vicieux. J'ai des créatures qui n'ont pas un instinct de survie très développé mais qui adorent jouer au Blood Bowl parce que c'est un peu sanglant. Mais ils sont pas tout seuls, ils sont souvent accompagnés de trolls et ils ont même là, j'ai pris un géant, donc le plus gros joueur qu'on puisse avoir dans le jeu. Et basiquement, le but de l'armée c'était de tuer le plus de monde possible et profiter du fait qu'ils soient très nombreux et très populeux pour prendre l'avantage. Ok. Et ton géant, il me semble qu'il était un peu vert, c'est ça ? Oui, alors du coup, j'ai fait des conversions. C'est ce qui me plaît dans Blood Bowl, c'est qu'on peut. On n'est pas obligé d'utiliser des fils forcément officiels. Et d'ailleurs, il n'y a pas de géant officiel. D'ailleurs. Du coup, j'ai pris une figurine qui s'appelait de Edge of Sigmar, qui s'appelle un Dankol Trogoth, donc c'est une espèce de gros troll, très gros. Et je l'ai pimpé pour qu'il ressemble au Snotling qui vit dans les marais. Donc il a des mousses sur lui, des champignons, tout ça. Donc c'est un géant normal, mais voilà. Un peu avec de la mousse. C'est ça. Il est considéré comme un géant. Donc on reconnaît que c'est un géant, tout va bien. Ok. Et toi, de quoi était composée ton armée ? Alors, mon armée était composée de... Enfin, mon équipe était composée de la faction Corne. Donc, c'est des élus du chaos, voilà. Ils jouent la balle quand même, parce que c'est du Blood Bowl, il faut quand même jouer le ballon. Mais c'est pas leur principale activité. Ils préfèrent faire des blocages, ils préfèrent aller jouer le joueur adverse, ce qui peut être aussi très sympa. Et voilà, donc j'avais, on va dire, des linemen classiques, du piéton de base... qui fait le taf, et j'avais ensuite un porteur de balles qui était mon joueur, on va dire à peu près le plus rapide sans que ça soit non plus quelque chose de fou, et qui était un corps de gore. Ensuite j'avais on va dire des gardes du corps un peu, voilà, qui avaient une compétence qui pouvait taper deux fois par tour. C'est un peu dangereux des fois de taper deux fois par tour parce que ça nous emmène en repoussant pas forcément là où on veut. Et j'avais bien sûr mon blood spawn, ma vachette de combat qui est censée décimer les rangs adverses. Ok. Et en fait c'est des humains ou c'est quoi exactement ton armée ? C'est une bonne question. On va dire que c'est plutôt des créatures démoniaques. Des créatures démoniaques. Voilà, c'est le chaos. C'est des, voilà, c'est ok. Hein. Voilà. Ok. Alors vous allez me dire peut-être les les spécificités de votre armée. Basiquement, on va dire que les Snotling, c'est très polyvalent, ça peut faire plein de choses. Mais mon équipe, principalement, c'était d'avoir plein de gros gars. Donc on avait deux trolls, un géant et ce qu'on appelle des pump wagons. En fait, c'est plein de Snotling qui sont mis dans un chariot et ils se sont dit que c'était intéressant d'aller venir dessus sur le terrain. Et à par-dessus ça, on rajoute des bombes parce que pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Et voilà, la spécificité, c'était vraiment de taper fort, avoir beaucoup de force pour submerger l'adversaire, profiter du fait que les Snotling peuvent être plus nombreux sur le terrain parce que l'arbitre n'arrive pas à les compter. Attention. Et de pouvoir littéralement envahir le terrain et finir sur plus personne, quoi.
Ok. Et toi, les spécificités de ton armée ? Alors, c'était essentiellement des capacités de corps à corps. Donc, je pouvais taper plusieurs fois. C'était essentiellement ça. Et disons que j'avais des facilités pour passer les armures. Donc voilà, donc moi c'était vraiment une équipe de corps à corps. Okay. Voilà, pour gagner, moi il faut que j'arrive à créer un sous-nombre chez l'adversaire. Okay. Sinon après je suis pas le plus agile, je suis pas le plus rapide. Voilà, mais moi il faut que je crée un sous-nombre, et une fois que j'ai créé ce sous-nombre, j'ai plus de facilité à naviguer. Okay. Dans la défense adverse, de porter la balle. Voilà. Okay. C'est le OK. Le but. On a peut-être oublié de dire le but de Blood Bowl. C'est un espèce de football américain fantasy. C'est un peu ça. C'est ça. Donc le but, c'est de mettre le ballon chez les adversaires. Voilà. De marquer les touchdowns. De mettre touchdown. Ouais. Voilà. Et on peut se taper dessus joyeusement. On peut se taper dessus. Ouais. Joyeusement. Alors vous allez me dire de votre partie, comment vous l'avez vécu. La partie a été très tendue du début à la fin. En plus, c'était la dernière partie. Un moment, on s'était dit qu'on allait faire égalité. Et puis, on nous a annoncé à l'oreillette que si l'un de nous gagnait, il était sur le podium. Alors, j'ai abrégé un peu les souffrances de mon adversaire. Et on a joué une troisième manche. Et là, bon. Heureusement que le destin a décidé de faire une égalité, parce que sinon c'était compliqué. C'était du grand Blood Bowl, voilà, tout est bien passé. Elle a fait des beaux jets, elle a eu la sportivité de ne pas stoller aussi, donc voilà. Stoller, ça veut dire quoi? Stoller, c'est perdre du temps volontairement pour contrôler le match en fait. Mm-hmm. Ça permet de contrôler le match, de pas laisser de temps à l'adversaire. Et elle a décidé de marquer. J'ai pu égaliser, ça m'a permis de passer devant. Et ensuite, il restait un tour pour qu'elle puisse marquer, et par une somme de hasard improbable, elle a réussi à scorer, et finalement voilà, c'est un beau match nul, voilà, 2-2. Un match nul, ok. Un match nul. Et après, comment ça marche par rapport au tournoi? Je sais pas, vous êtes classé comment? Alors à l'issue du tournoi, moi je suis classé 4e. Ok. Et toi? Moi je suis 5e, juste derrière. Ok. Donc voilà. Vous êtes juste derrière. Ouais, okay. Voilà. Pour ma part, je suis assez satisfait, c'est très bien. Ok, donc le tournoi vous a plu? Ouais, le tournoi m'a plu. Ouais, le tournoi c'est très sympa, et puis c'était vraiment intéressant aussi qu'il y ait d'autres jeux à côté. Là, il y a des gens qui ont accompagné les joueurs et qui ne sont pas ennuyés, ils ont pu faire des jeux à côté, des initiations, etc. Donc sur ce point-là, c'était très bien, et puis le tournoi lui-même, bon, il était vraiment. C'est toujours sympa de jouer avec des gens qui ont envie de jouer, quoi, et qui n'ont pas juste envie de gagner. Ouais, et puis c'est un jeu quand même assez aléatoire, hein, si je me rappelle, j'ai bien compris, par rapport au dé. Oui, c'est aléatoire, mais ça reste un tournoi, donc il y a aussi un esprit de compétition. Okay, donc tout ça mélangé, l'aléatoire, l'esprit de compétition, des fois ça fait grincer des dents. Ouais, j'ai vu. Ouais. J'ai vu un joueur qui grinçait un peu des dents. Ça peut faire dégoupiller, ouais. Ok. Bon, ben sinon, tant que ça vous a plu, le tournoi, c'était cool, ok? Ouais. Ok. Très bien, à refaire. Bon, ben à refaire, et puis j'espère pouvoir interviewer un peu plus Blood Bowl, parce que c'est. Ben, je fais des vidéos de tournoi, c'est la première fois que je peux interviewer du Blood Bowl. D'accord. Et mon but, c'est varier les jeux. Et c'est vrai que dans le sud de la France, Blood Bowl, ben, c'est le premier que je peux interviewer, donc je suis très content. Et voilà, merci à vous pour cette interview, et à bientôt pour une petite partie. Voilà. Merci. Au revoir.